Vous préférez être un Mister GR ou un Mister Recherche? Je suis Julien Lachemer, je suis enseignant-chercheur et je réponds à IGR. Réponds! Alors, comment tu es devenu enseignant-chercheur en étant étudiant? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la recherche? C'était étudiant. Peux-tu résumer ta thèse en une phrase? Est-ce que sauver la planète, ça fait des sous? Ta réaction après ta soutenance? Ouf! Trois compétences développées en faisant de la recherche. Perfectionnisme. One eternity later. De l'analyse et de la patience, beaucoup de patience. Trois difficultés rencontrées lors de votre parcours. La naïveté, première difficulté. Beaucoup de fois où je me suis planté parce que j'étais trop naïf. Le gap entre faire une thèse et ce qu'on croit qu'une thèse est. Et donc bien plus difficile que ce qu'on y croit. Et puis troisième difficulté, la solitude. La solitude du thésard. Le moment où tu as regretté de t'être lancé dans la recherche. Fin de deuxième année où ça n'avançait pas et j'ai cru que j'allais arrêter. Tu étais une thèse, laquelle serais-tu? Et bah ça c'est une vaste question. Tu étais une thèse, laquelle serais-tu? Bah une thèse... Une thèse... Bah comme une thèse classique, c'est-à-dire dans une bibliothèque. À part toi, quel chercheur faut-il absolument lire? De Jean-Jacques Lilti. Le meilleur souvenir pendant ta thèse? La première année. La première année, l'insouciance, la naïveté, toujours. Ton meilleur souvenir à l'IGR IAE de Rennes? Oula, il y en a plein. Il y en a plein, mais ça c'est d'autres dossiers, donc je vais... Ça fait voyager d'être chercheur plutôt, ça va, ça, si on veut. En tant que chercheur, est-ce que tu te sens utile? Oui, en quelque sorte. Ça dépend, après, ça dépend le sens d'utile. Ça fait quoi d'être chercheur, mais de ne pas sauver des vies? On reste docteur. Quand même. En inédit, quel est ton prochain sujet de recherche? Ça va être l'analyse du discours responsable des dirigeants dans leur rapport de responsabilité et savoir est-ce que, en fonction des mots qu'ils utilisent, les entreprises sont-elles vraiment responsables ou pas? Vous préférez être un Mister IGR ou un Mister Recherche? Pourquoi c'est important de faire de la recherche selon toi? C'est important parce que ça reste la recherche, du moins en France, est encore assez objective et ça permet d'avoir de l'objectivité dans un monde où la subjectivité est prédominante et les égos sont prédominants aussi. As-tu 10 secondes pour donner envie de faire de la recherche? Oui, de la recherche c'est toujours accompagné de la pédagogie. Et donc c'est de faire aussi, c'est faire de la recherche aussi, se faire plaisir, c'est passer son temps à apprendre. Je rappelle toujours que je suis payé pour apprendre et payé pour transmettre et ça c'est génial. Et un conseil pour un étudiant qui aurait envie de faire de la recherche, de bien s'accrocher et peut-être essayer de le faire, essayer de motiver des amis en même temps à faire de la recherche. En tout cas, avoir des amis qui sont dans le même, c'est ça qui m'a un peu sauvé pendant ma troisième année.